Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un replay en bourrasque pour une première marque de NCT Scripio. 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 Du clan PAM-E, donc un clan de Pamboum. On est sur Step avec un... encore un bug de canon. Le canon pointe devant, là, normalement. Ben, où est-ce qu'il pointe, ce canon? Pointe vers là-bas. C'est étrange. C'est étrange. J'espère que le bug canon sera résolu d'ici quelques mises à jour. Parce que là, pour l'instant, le canon pointe, ne pointe pas dans la bonne direction. Ce qui est très très étrange. Ok, c'est bon, le canon a été déverrouillé. On est en bourrasque, hein, donc un char très très peu blindé, mais très très mobile, avec deux obus dans son barillet. On est à 362 dégâts pour 190 de pénétration, si je ne m'abuse. 190, oui, et à la gold, on passe à 240, donc vraiment une pénétration qui pourrait être vraiment mieux, mais ce n'est pas la force de ce char. La force de ce char, elle réside dans son barillet, qui est ravageur, qui est dévastateur. Regardez-moi un petit peu ce barillet en action, double bush, attention, 1, 2, voilà. Et on est à 715 de dégâts immédiatement. Et vu qu'on a une caisse de Batchat to stun et une tourelle de DMX, non, de BR-105, eh ben, on a grosso modo une bonne dissimulation. Une bonne dissimulation. On n'a pas la dissimulation d'un char léger, vu qu'on est un char moyen. Mais on est plutôt pas mal. On a durant 7, durant 8. Et si je parais un petit peu plus, comment dire, chill sur ce replay, c'est parce que je viens d'encore mettre 4. Allez, le Tiger P. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un tir? Non, uniquement sur les côtés. Allez, ça passera sur ce premier... sur cette première tentative, est-ce que ça peut repasser? On est sur la gold et oui, 358. Et au final, ce seront plus de 700, toujours plus de 700 HP qui auront été scorés sur le Tiger P. Qui peut être... ouh non, ça c'est un Tiger 1 et je vous rappelle qu'un Tiger 1 c'est moins blindé qu'un Tiger P. Donc c'est là-dessus, c'est cette cible que l'on privilégiera. Privilégiera, je sais pas. Ok. Allez, on va pouvoir toc 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 les respots. Retourner en arrière. De toute façon, ils ont de quoi s'occuper avec les ennemis ont de quoi s'occuper avec les chars alliés qui sont juste là. Et ce Tiger P qui ne joue pas bien, hein, puisqu'on peut clairement déglinguer sa tourelle. Un obus. On peut potentiellement aller le respot. Oui, c'est fait. Et toujours, hein, on se replie en mettant un bush bien opaque entre lui et nous. Et peut-être le mettre sur le fond de tourelle, oui. On ne chopera que 13 HP, puisque certains de nos alliés lui ont remis des tirs dedans. Et c'est un très très bon timing pour rush, ça. C'est à ce moment-là qu'il fallait rush, effectivement. Hein, puisqu'il ne reste plus qu'un Tiger 1 en face, que le BZ-58 ne sera probablement pas un grand grand danger. Et que le T-28 ne nous regarde pas, surtout. Très important de mettre des tirs sur ce T28. On va pouvoir en mettre un, mais on ne va pas pouvoir en mettre le deuxième, puisqu'il ira se ficher directement dans la chenille qu'il détruira. 1250 HP, c'est le total qu'il reste au BZ58. Autant dire qu'il n'a pas été touché de la game, mais 340. C'est un Tiger 1 qui est mal en point, ça. Et le Tiger 1 va bientôt pouvoir être sorti. Oh là là. Ça, c'est petit comme comportement. On a chouré le Tiger 1 à l'IS3. Allez, on va pouvoir mettre un tir dans ce bas de caisse et se replier. Attention, le Panzer 58 Mutz qui est juste là. Le Mutz, c'est un char suisse, je crois. Je sais plus. Je crois que le Mutz, c'est un char suisse. Bon. Allez, le Nomade, il est encore à 1050 HP et on va pouvoir repasser de l'autre côté pour avoir cette butte entre nous et les potentiels snipers qui seraient tentés de vouloir nous coller des tirs depuis l'autre côté de la voie ferrée. Attention, la S51 qui vient d'être spot, mais nous n'avons Dieu que pour le Nomade, ce premier tir qui ne passera pas. Et attention, toujours être... ok, c'est bon, 99 HP. On prendra le kill sur la S51, mais le fait qu'on ne maintienne pas notre assiette droite au niveau de notre char, qu'on ne maintienne pas notre char à l'horizontale, aurait pu nous jouer quelques tours. 3000 de dégâts. Ouh là 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 là. Ouh là là, c'est beaucoup de chars en face, ça. Allez,
un tir sur le CS52 lisse, et le CS52 lisse que nous avons spot, donc c'est nous qui prenons les dégâts par détection. Attention, ça c'est un projeto, on va pouvoir lui mettre un premier obus, il s'en prendra un autre de qui, je ne le sais pas, du E25, le T25 Pilot 1 qui fera le tir, le dernier tir sur le nomade, et on va peut-être pouvoir sortir ce CS52 lisse. Oui, avec notre alpha, on est à 3, on a réussi à lui mettre 300, je vous rappelle que nous avons 390 d'alpha au total sur cette, non, 360 d'alpha sur ce canon. Attention, le CS52 lisse qui est tenté de nous en mettre une, qui nous réussira à nous percer. Ce n'est pas beaucoup d'efforts pour nous percer, mais au final, 3831 dégâts. C'est notamment au début une bonne gestion. Une très bonne gestion des HP au début, puis ensuite on a rush sur la fin. C'était un replay très agréable. J'ai beaucoup aimé. Et puis, on est allé droit au but. Vraiment. C'était relativement court, donc merci à toi pour ce replay, j'espère te revoir bientôt sur cette chaîne, et mesdames et messieurs, la chaîne, pour l'email pour m'envoyer des replays est dans la description, si vous avez envie de me transmettre certains de vos replays, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, salut!